Et à tous, nous allons pouvoir commencer ce nouveau conseil municipal. Alors, pour commencer, on va faire l'appel. Je laisse la parole à Aïda. Fabien Aufrechter. Présent. Melsens Olivier. Gontier Ida. Présente. Malray Paul. Présent. Fédière Louisette. Debjé Michel. Présent. Bourbon Benamou Marie-Claude. Dalle Eugène. Godard Carole. Ludjic Olivier. Gabrielides Socrate. L'enfant Philippe. Chaboum Abderrahim. Pissika Caroline. Charuel Catherine. Bacle Georges-Édouard. Slim Rania. D'accord, on attend un peu du coup. Éry Anthony. Présent. Garek Sophie. Présente. Da Silva Parota Maria. Regia Lortelli Anya. Aufrechter Cyril. Présent. Dehé Pascal. Fréjabu Julien. Présent. Lusso Philippe. Présent. Huard Fabienne. Delmas Lorraine. Lemoine Fabien. Présent. François Dainville Blaise. Présent. Moreau Jean-Marie. Leblé Myriam. Présent. Lelièvre Christian. Présent. Benalla Nadia. Elle arrive aussi. Okay. Bon, merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais faire un tout petit point, puisque c'est le dernier conseil municipal, vous le savez, avant les prochaines élections. Et il me semblait important, au-delà de l'ordre du jour, de vous projeter aujourd'hui, ce soir, la répartition des prochains bureaux de vote. Pourquoi ? Parce que vous le savez, les élections de juin prochain sont un peu particulières. Elles vont voir deux élections se tenir en même temps. Dans ce contexte-là, le protocole ne permettait pas de tenir les bureaux dans les mêmes lieux qu'habituels. Et dans ce contexte, nous avons dû refondre entièrement la maquette des bureaux de vote. J'en profite pour remercier l'ensemble d'entre vous, puisque vous avez été quasiment tous, il me semble tout le monde, volontaires pour tenir les bureaux de vote. N'hésitez absolument pas, si jamais vous avez des personnes qui souhaitent être assesseurs sur l'élection, vous pouvez, comme vous l'avez déjà fait pour beaucoup d'entre vous, nous signaler toutes les personnes qui souhaiteraient être assesseurs au prochain scrutin du mois de juin. Pour ce qui est des bureaux, vous avez donc la liste qui vous sera recommuniquée si vous n'arrivez pas à lire. Le bureau numéro 1 de Jean Jaurès ne bougera pas, il sera toujours comme il l'est dans le self Jean Jaurès, mais il sera étalé sur le self primaire et le self maternel. Le bureau 2, qui est le bureau de Lagarenne, bougera, mais pas loin, puisqu'il restera dans la salle de motricité Lagarenne. Mais il s'étendra pour le coup sur deux salles et non pas une. Le bureau numéro 3, qui est le bureau Chemin Vert 1, ira dans la salle cuisinier 1 de Lagarenne. C'est un gros changement pour le coup. Le bureau numéro 4, Prévert 1, ira dans la salle cuisinier 2 à Lagarenne. Pour le coup, également un gros changement. Et puis, vous aurez donc le bureau numéro 5 de Jean Jaurès 2, qui sera ici même dans cette salle, dans l'espace Maurice Béjart. Pour ce qui est des deux bureaux qui sont habituellement à Coubertin, ils seront toujours à Coubertin, mais de l'autre côté de la rue, au sein du gymnase, pour des questions, encore une fois, d'espace. Pour ce qui est du bureau Chemin Vert 2, il sera également à côté de celui numéro 1, à savoir dans la salle cuisinier 1 de Lagarenne. Le bureau qui est habituellement à Cosma sera dans le self et l'extension Lagarenne. Le bureau Jacques Prévert 2 dans la salle cuisinier 2 à Lagarenne. Et pour le coup, ne changera pas le bureau de l'école d'Olto qui par contre s'étendra sur deux bureaux. Ces changements vont être communiqués fortement. N'hésitez pas à les communiquer aussi de votre côté, puisque c'est notre responsabilité de toutes et tous si nous souhaitons avoir une bonne participation sur les deux scrutins du mois de juin. Je ne m'étale pas, on aura l'occasion de toute manière d'y revenir si vous avez des questions. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec un ordre du jour que voici, avec en particulier des questions d'administration générale, de mobilité, commerce, finance, culture, urbanisme et travaux. Et pour commencer, je me permets... Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Juste une petite demande. Notre département a été frappé ces dernières semaines de deux horribles attentats. Alors, monsieur Moreau, s'il vous plaît, et je sais ce que savoir... vous allez dire. Nous y viendrons juste après, s'il vous plaît. Justement, après que j'ai dit ce que je vais dire.
On aurait pu le faire en début de conseil, ça aurait été plus... Alors justement, il me semble important pour commencer de revenir sur une démission du conseil municipal. Il s'agit en l'occurrence d'une policière nationale, c'est pour ça que je me permettais de préempter le sujet, qui, par des raisons professionnelles, justement, va quitter le conseil municipal. Dans ce contexte-là, il me semble important de la remercier et puis de faire un grand bravo à la personne qui nous rejoint, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, puisqu'elle est enceinte, mais du coup, nous allons avoir deux petits points d'ordre d'administration générale que nous allons balayer dans quelques instants, et ceux-ci sont donc l'implication d'une démission au sein de la majorité. Mais puisque vous me tendiez la perche, c'est pour ça que je voulais d'abord remercier Madame Nathalie Pruvot. En effet, je vous propose une minute de silence pour la policière nationale de Rambouillet, puisque c'est le département. Je vous propose de vous lever. Et par conséquent, à partir du moment où nous avons des démissions, nous avons respectivement des désignations à réaliser et des modifications de la composition des commissions municipales, comme nous y étions apprêtés la dernière fois. Donc on va commencer par les désignations des représentants de la commune auprès du CIVOM et du CIVUCOP. Pour le coup, Madame Nadia Benalla représentera la commune au sein du CIVOM en qualité de déléguée suppléante, et je représenterai moi-même la commune au sein du CIVUCOP en qualité de déléguée titulaire pour remplacer Madame Pruvot. Y a-t-il des questions, des remarques ? Pourquoi vous avez souhaité représenter être titulaire au sein du CIVUCOP et pas de laisser cette fonction à un de vos adjoints ou délégués, comme celle était avec Madame Pruvot ? Et je réitère ma demande du dernier conseil d'avoir un bilan du CIVUCOP avant le mois d'octobre, comme vous aviez proposé. Parce que en fait, le budget a été voté finalement 2 jours après le conseil municipal que nous avons eu et qu'on est en attente d'informations sur les orientations du CIVUCOP. Pour le coup, je vous laisserai, comme je l'ai dit la dernière fois, voir avec le CIVUCOP. Pour ma part, je n'ai pas d'informations de mon côté ce soir. Pour ce qui J'ai est du demandé budget. Des informations qui n'ont pas été transmises. Donc, Monsieur Debjé, je vous redemande, s'il vous plaît. Madame Huard, je vous demanderai, comme je l'ai déjà fait la dernière fois, d'adresser votre demande au CIVUCOP. Moi, alors, je ne crois que pas. Vous m'aviez dit que vous vous en occuperiez. Non, je dis, vais on verra ça du coup prendre. Voilà. J'ai déjà fait un mail en fait qui n'a au pas CIVUCOP, été. Au CIVUCOP, j'ai pas reçu. Hein. J'ai si, rien reçu. Si, bah, il y a un site internet, un contact. Non, j'ai rien reçu. Il y a peut-être un problème technique, mais j'ai rien reçu, je vous assure. D'accord, mais j'ai écrit un mail via le site internet. Peu importe, on va pas commencer. Je voudrais juste préciser, je ne siège pas au conseil municipal de Vernouillet. Donc, nos collègues de Vernouillet, je ne siège pas au conseil municipal de Vernouillet. Vous êtes au CIVUCOP ? Puis-je terminer ma phrase, s'il vous plaît ? Je ne siège pas au conseil municipal de Vernouillet. Donc, je ne peux pas répondre à des demandes de collègues de Vernouillet comme vous faites de demandes en conseil municipal de Verneuil. Donc, si vous avez des demandes concernant le CIVUCOP, vous me les adressez au CIVUCOP. Je ne sais pas pourquoi on parle de Vernouillet, mais peu importe. La question, c'est qu'on doit avoir une présentation des syndicats en conseil municipal. Il me semble que c'est quelque chose qui doit nous être fait tous les ans. Et que donc, ça serait bien qu'on ait une présentation. Mais comme Madame Huard, de toute manière, je vous répète l'engagement que nous avions pris. Nous aurons, comme promis, au cours de l'année, une présentation des syndicats, mais aussi de GPSEO. Oui. Comme on l'avait dit, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas d'autres points d'actualité à faire. Mais pour répondre à votre question aussi, tout de même, la première. Pourquoi décider de siéger moi-même ? Bah, tout simplement parce qu'à partir du moment où le CIVUCOP va se refermer sur Verneuil et Vernouillet
et que le maire de Vernouillet a fait le choix d'y être représenté directement, cela permettra simplement un parallélisme des formes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de le mettre au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Et de la même manière que la dernière fois, pour ce qui est de la modification des compositions de commission, il s'agit simplement de remplacer là où siégeait Mme Pruvot pour que Mme Benalla puisse siéger dès qu'elle le pourra. Elle sera donc titulaire sur la commission sécurité et urbanisme et suppléante sur les marchés publics et affaires sociales. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Sinon, je propose de procéder au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Je me permets de passer désormais, une fois que les procédures d'administration générale sont passées, ce qui nous permet de pouvoir mettre les choses en place, de passer à l'adoption du compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Je propose donc de le mettre au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis qu'il est adopté. Nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Michel Debjet sur une présentation et le vote d'une délibération relative à l'instauration du stationnement payant résidentiel. Je vous remercie. Donc à titre probatoire, nous allons expérimenter le stationnement résidentiel dans le secteur de la gare de Verneuil-Vernouillet et du parc blanc, donc c'est un secteur qui est délimité tel que vous pouvez le voir sur la diapositive. Et les rues sont d'ailleurs listées de façon précise, hein, puisque en la matière, il faut être assez précis. Donc pourquoi une expérimentation ? Bien que nous ayons fait une étude de 6 mois sur ce principe de stationnement résidentiel et qu'il réponde à une demande des riverains, bien que nous ayons également visité 6 communes qui avaient déjà mis en place stationnement résidentiel pour confirmer ou infirmer nos choix, en l'occurrence, bon, on a convergé vers ce qu'on présente ce soir, on souhaite encore prendre le temps du retour d'expérience en mettant en place ce principe dans le quartier qui en est le plus demandeur et en tirant justement le fruit de cette expérience pour étendre le stationnement résidentiel à d'autres secteurs de la ville. L'ensemble de la ville n'a pas vocation à avoir un stationnement résidentiel. Nous y reviendrons en temps voulu. Les secteurs qui sont proposés sont des secteurs qui, eux, soit le demandent, soit, en ont vraiment besoin. Dans ce secteur de la gare, il est évident que la demande venait surtout à la période avant le Covid, hein, c'est-à-dire que depuis la crise Covid, la demande est venue un petit peu moins pressante, mais elle va de nouveau repartir puisque nous espérons tous sortir de la crise sanitaire. Et d'autre part, nous avons également l'arrivée du projet EOL qui va nous imposer un certain nombre de prérequis concernant le stationnement dans le quartier. Et l'arrivée d'EOL, on souhaite pouvoir l'anticiper pour qu'on ne nous impose pas des principes de stationnement. Je rappelle que dans le périmètre de la gare, la communauté urbaine peut prendre autorité sur le stationnement, notamment donc dans le cadre d'EOL, mais que pour l'instant, dans la concertation qu'on a avec eux, les projets que nous menons, et notamment celui de stationnement résidentiel, vont dans le même sens qu'eux, donc on est en accord avec eux. Alors, le principe général, c'est quoi ? C'est une extension de la zone verte qui est déjà présente dans ce secteur, donc à tout le secteur. Donc en fait, pour être très clair là-dessus, il ne s'agit pas de rendre le stationnement payant en soi, c'est-à-dire que le stationnement reste libre, mais dans le cadre de la zone verte. La zone verte, par contre, sera ramenée à 2 heures. 2 heures, ça autorise les résidents qui ont leur voiture dans un parking privé ou un garage à la sortir lorsqu'ils vont faire une course, qui reviennent dans la journée, sachant que ça se passe en semaine, bien sûr, le samedi dimanche n'est pas concerné. Ça autorise aussi les visiteurs à venir rendre des visites. Et puis, de toute façon, ce sont 2 heures gratuites moyennant le disque. Donc il n'y aura jamais de tarification concernant cette zone verte qui implique quand même qu'on gère son disque, hein, donc une rotation de 2 heures. Par contre, pour les résidents, c'est ça l'essence du stationnement résidentiel, pour les résidents du quartier,
Ils sont dispensés du disque moyennant la position de leur carte de résident, en tout cas moyennant leur abonnement au système de stationnement résidentiel, un abonnement annuel qui leur permet de stationner de façon illimitée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans leur quartier. Je dis bien dans leur quartier, pas dans les autres quartiers de Verneuil, et pas non plus devant chez eux, comme des fois on l'imagine. C'est pas forcément juste devant chez eux, mais forcément très proche de chez eux, c'est dans leur quartier. Donc la tarification sera de 120 euros par an, ce qui vaut à peu près à 10 euros, même exactement 10 euros par mois. 120 euros par an, on s'est basé sur ce qui est fait dans les autres communes, c'est plutôt dans la fourchette basse. Mais bon, ça nous paraît judicieux, pas trop cher et correct par rapport à ce qui se fait dans d'autres communes. Donc. Autre caractéristique de cette expérimentation, parce que je répète que c'est une expérimentation qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, on ouvre le stationnement résidentiel à un véhicule par foyer. On se réserve la possibilité d'offrir des cartes de résident à une deuxième, troisième voiture, etc., à un tarif un petit peu plus élevé, qui sera de 180 euros. Mais on attend de voir ce que donne la première vague, si j'ose dire, s'il nous reste suffisamment de place pour permettre à des personnes de mettre une deuxième voiture, éventuellement, en stationnement résidentiel. Ce qu'on ne veut pas, c'est que des personnes n'adhèrent pas tout de suite, et quand elles veulent prendre le stationnement résidentiel, on leur dit qu'il n'y a plus de place, parce que certaines personnes ont déjà pris 2, 3, voire 4 cartes. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif non plus d'inciter à multiplier les véhicules en ville. Les demandes de cartes donc, vont être ouvertes tout de suite après notre vote. Et la mise en place se fera à partir du mois de juillet. Donc cette année, on ne fera pas payer les mois de juillet-août. Le paiement sera à partir de septembre. Puisqu'on est en phase expérimentale, on n'a pas voulu investir dans un système, un logiciel ou un système assez coûteux de gestion. Pour l'instant, on va rester avec le bon vieux Bristol bien classique, on mettra sur le pare-brise. Mais si l'expérience est positive, dès le 1er janvier et dès l'extension à d'autres secteurs, on passera à un système numérisé, aussi bien au niveau des demandes qu'au niveau des contrôles. C'est-à-dire que les demandes se feront en ligne et les contrôles de stationnement se feront par flashage de plaques et reconnaissance automatique des abonnés. Voilà donc l'exposé. Avant de passer à délibération, je suis prêt à répondre à vos questions, s'il y en a. Il y a des questions ou des demandes de prise de parole ? Oui, s'il vous plaît. Donc, vous nous demandez de voter donc, la mise en place d'un stationnement payant qui serait principalement payant pour les résidents. Mais juste pour pouvoir voter, en fait, vous répondez à une partie des questions qu'on avait, mais pas à toutes. Et ce qui fait que bon, ce que je vous propose, c'est de les poser et puis on pourra échanger après de toute façon. Et puis, à l'écoute des échanges, on vous exprimera notre position de vote. En fait, je dirais que ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas pu mieux l'étudier en commission. On l'avait un tout petit peu abordé avant. Et là, finalement, cette version définitive, on n'a pas pu le. On aurait bien aimé pouvoir poser quelques questions auparavant. C'est pas grave, on va le faire ici. Donc c'est vrai que pour nous, la régulation du stationnement dans certains quartiers est souhaitable, notamment pour assurer une bonne accessibilité de tous dans le cœur de ville, limiter le stationnement intempestif dans certaines zones, et inciter aussi éventuellement à un recours plus soutenu à des mobilités alternatives, notamment les mobilités douces. C'était d'ailleurs bien l'objectif de la mise en place du stationnement de zonage, c'est-à-dire vert et bleu. Mais si ces objectifs sont louables, c'est vrai que ces règles sont parfois traduites par un renchérissement donc, du coût du stationnement pour les résidents, alors là même que la vocation de ces mesures, c'était de les protéger. Alors la délibération que vous mettez en place, que vous mettez en vote aujourd'hui, facturera donc pour un particulier une place à 120 euros et une deuxième à 180 euros. C'est juste que dans la formulation, hein, c'est une question de forme, j'ai pas bien vu la notion que ce serait d'abord un, et puis on verrait pour le deuxième. Donc c'est juste là, de façon très très précise, je comprends
Le bémol que vous apportez là-dessus, qui est intéressant, mais on la voit pas bien dans le... Dans le... Voilà. Donc, après, l'autre chose, c'est... pour un professionnel, il en coûtera 180 euros. Alors, bon, la question, c'est comment était bâti donc, le montant, le prix hein, de cette redevance à 120 euros pour une voiture. Vous dites que vous êtes comparé en partie avec ce qui se fait aux alentours. Bon, à Vilaine, par exemple, le stationnement, nous, on a fait ça aussi. Le stationnement, il est gratuit pour deux voitures. Et à Mantes-la-Jolie, par exemple, il est 30 euros. Pourquoi le deuxième abonnement coûterait plus cher que le premier, 180 euros, hein, c'est ce qui est indiqué dans la... Voilà, et ça ferait un total à peu près de 300 euros pour deux véhicules. Aussi, pourquoi pour les professionnels, ce serait plus cher? Est-ce que ça risque pas d'être un frein à la venue de nouvelles entreprises? D'autre part, pour être juste et équitable, un dispositif se doit être compris par tous et mis au service de l'intérêt général. Faire payer le stationnement résidentiel, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un levier au service d'une politique d'aménagement structurée. Et pour être efficace, une politique d'aménagement structurée de l'espace urbain doit être cohérente. Et pour être cohérente, elle doit procéder d'une vision globale. Dans de nombreuses communes, cette vision globale se décline au sein d'un plan de déplacement urbain. Et ça, pour nous, c'est vraiment la question la plus structurante et la plus importante de cette délibération. C'est en fait, quelle est la vision d'ensemble, quelle est votre vision d'ensemble de l'aménagement de l'espace urbain à Verneuil? Quel est le plan d'action et le calendrier de sa réalisation? Et ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord aborder les questions d'accessibilité, de transport en commun, de parking, de mobilité douce, avant de réfléchir à une tarification du stationnement résidentiel? La commune, enfin, va toucher donc des recettes supplémentaires. Et donc, à quoi prévoyez-vous d'affecter ces ressources? Et en outre, si cette délibération ne détaille pas l'objectif d'aménagement auquel elle doit concourir, force est de constater qu'elle est pour le moins floue aussi sur le périmètre qu'elle recouvre. Bon, modulo, les indications que vous apportez là tout de suite, hein, qui sont très intéressantes, mais qui ne se retrouvent pas dans la délibération, ce qui signifie que, au fond, la délibération, grosso modo, elle couvre tout Verneuil. Mais, donc, vous dites, les modalités de fonctionnement, enfin, vous dites, la délibération stipule les modalités de fonctionnement du stationnement dans plusieurs secteurs et quartiers de la commune seront déterminées au fur et à mesure de leur mise en œuvre par arrêté du maire. Donc, alors, bon, moi, ce que je disais, c'était, mais pourquoi ne pas indiquer dans la délibération, les modalités de fonctionnement? Alors, j'entends votre réponse qui est de dire, en fait, on est en mode expérimental. Hein, voilà, c'est une part de la réponse. Est-ce que donc tout Verneuil est visé? A priori, vous venez de répondre que a priori, non. Et si seulement certains quartiers sont visés, alors on comprend qu'il y a la gare, mais il y en a probablement d'autres. Et est-ce que vous auriez déjà la possibilité de nous en lister un peu, et le calendrier précis de la mise en œuvre pour la gare, vous venez de l'indiquer. Voilà. Merci par avance pour toutes vos réponses sur ces sujets-là. Voilà. Je vous remercie, monsieur François Naville, pour vos questions. Je vais y répondre, bien sûr, si vous permettez, en commençant par les dernières et en remontant aux premières, vous allez comprendre pourquoi. En effet, il s'agit d'un point technique. Nous avons souhaité faire une délibération cadre, qui puisse s'appliquer à tous les secteurs concernés dans le futur, et ne pas avoir repassé des délibérations régulièrement au Conseil, chaque fois qu'un nouveau secteur de la ville pourrait être éligible au stationnement résidentiel. Et c'est par arrêté, et c'est, bon, on a vérifié évidemment la légalité du procédé, hein, c'est exactement comme ça que ça se fait, par arrêté qu'on définit précisément dans quel quartier le stationnement résidentiel se met en place, que ce soit à titre expérimental ou à titre définitif, bien sûr. C'est d'ordre réglementaire, donc on doit faire un arrêté pour préciser, et on précisera, comme vous le voyez sur le slide, les rues, les numéros, enfin exactement le périmètre de ce premier secteur concerné. Alors, vous parlez de plan global, sachez qu'il existe. Il n'existe pas dans la mesure où il n'est pas fini, mais il existe en termes de projet. Il est clair, on en a souvent parlé, que nous avons à la fois
un plan de stationnement, mais aussi un plan de circulation et un plan d'urbanisation qui marchent ensemble. Hein. Ce sont différentes jambes du même projet. Simplement, vous observerez que pour refaire l'urbanisme ou pour refaire le plan de circulation de la ville, il faut un temps de concertation, une concertation avec les riverains, avec la population, concertation avec les autres acteurs comme GPSEO, le département. Ça prend du temps et c'est un plan sur le mandat. On aura l'occasion d'en reparler, d'en redébattre en commission et en conseil régulièrement. Par contre, commencer d'ores et déjà à mettre en place ce logement résidentiel, c'est accessible. C'est accessible, c'est relativement simple à mettre en place. Donc ça, on peut le démarrer tout de suite et donc répondre à une demande. Sans toujours dire aux gens, on fera ça plus tard. Non, on peut le faire dès maintenant. Simplement, et c'est pour ça qu'on a voulu sectoriser et faire aussi une expérimentation dans un seul secteur, on sait que ce qu'on fait s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global de circulation et d'urbanisation de la ville. C'est évident. On ne va pas adopter une politique du gribouille qui consiste à construire et à déconstruire ensuite. Donc vous m'avez demandé précisément, est-ce qu'on pense à d'autres quartiers pour le stationnement résidentiel? Pour l'instant, on va être totalement transparent. Oui, on va vous le dire. On réfléchit pour l'année prochaine à la mise en place du résidentiel, si cette première expérience est positive, bien sûr, dans le quartier de la gare des Clairières et dans le quartier du Maupa Chemin Vert, dans cette zone-là. Voilà. D'autres quartiers seront peut-être concernés, mais aujourd'hui, on l'ignore. Hein, on n'a pas encore travaillé de ce côté-là. Autre question que vous avez posée concernant la tarification. Alors, oui, on s'est posé la question. On n'est pas parti sur le principe d'une tarification coûte que coûte. On a observé ce qui se faisait dans les autres communes et on s'est rendu compte qu'une tarification modérée qu'on a adoptée était le meilleur choix parce que elle restait incitative tout en évitant de rentrer dans une certaine démagogie qui consiste à aliéner l'espace public gratuitement et aussi à créer une rupture d'égalité puisque finalement la gratuité s'appliquerait à tout le monde, mais on discriminerait les gens en leur disant « vous êtes résident, donc c'est gratuit et vous pouvez rester le temps que vous voulez, mais vous n'êtes pas résident, c'est gratuit, mais c'est 2 heures seulement ». Donc, quelque part, si vous voulez, il y a cette notion de redevance pour la mise à disposition de l'espace public nous paraît être beaucoup plus équitable. Tarif modéré, il ne faut pas que le tarif soit trop bas. Certaines communes nous ont dit quand le tarif est trop bas, il y a des personnes qui sortent toutes leurs voitures, même celles qui sont garées dans leur garage, qui les mettent dans la rue parce que ça coûte pratiquement rien et qui utilisent leur garage pour faire une remise ou autre chose ou une pièce carrément. Voilà, je veux dire, on l'a pas fait au hasard, quoi. C'est vraiment le fruit d'une réflexion et ça nous paraît être un juste choix. Autre question que vous avez posée, la deuxième voiture. Alors non, c'est vraiment pour des questions pratiques, c'est-à-dire qu'on a compté avec mon collègue M. Herry, et nos services techniques, on a compté toutes les places de stationnement de ce secteur, mais vraiment toutes. On a compté aussi ce qu'on appelle les places fantômes, c'est-à-dire ce sont des places qu'on pourrait attribuer au stationnement et qui aujourd'hui ne sont pas casées ou sont carrément indiquées stationnement interdit, alors qu'il n'y a aucune raison que le stationnement soit interdit. Il y a des interdictions devant des bateaux qui n'ont pas lieu d'être parce que le bateau ne donne pas sur une entrée, mais sur un mur, tout simplement. Bref, il y a encore du travail à faire pour optimiser le stock de places disponibles dans ce secteur. Et alors, au niveau de Verneuil, puisqu'on a fait aussi ce travail au niveau de la ville, je ne vous dis pas le nombre de places disponibles qu'on pourrait trouver. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que, en attendant qu'on libère des places supplémentaires, il y ait beaucoup de monde qui prenne des places. Si on autorise la deuxième voiture tout de suite, et voire une troisième. Moi, j'ai un voisin qui en a 4 de voitures, c'est son droit. Et donc, si on déstocke les places de cette façon-là, on aura peut-être des personnes qui n'auront pas fait la demande dans les premiers et qui ne trouveront pas de place pour leur première voiture. Donc, il y a une première distribution, si vous voulez, première voiture pour tout le monde. Et je ne doute pas que rapidement, on ouvrira aux deuxièmes voitures, aux troisièmes voitures. Voilà. Après, on n'est pas non plus dans l'incitation au tout bagnole, comme on dit aujourd'hui. Vous l'avez dit justement, je rejoins vos propos, si on peut encourager les gens
avoir moins de voitures, c'est peut-être pas mal non plus. Je crois avoir répondu à l'essentiel de vos questions, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a une ou deux qui que j'ai oublié. Bon, en fait, tout ça ouvre à des débats que je trouve très, très intéressants, qui sont compliqués à avoir longuement ici. Bon. Sur la question de l'affectation de ces nouvelles ressources. Oui, c'est pas moi qui vais vous répondre là-dessus. Pour le coup, de manière assez simple, hein, avant de pouvoir affecter des ressources, il faudrait savoir combien, de quelle nature elles vont être, de quelle quantité. Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, puisqu'on ne sait pas quelle sera l'appétence, même si on sait déjà qu'elle sera forte, notamment, pour vous répondre, parce que j'étais personnellement surpris aussi, de la part des entreprises, puisque ce sont elles qui sont les plus demandeuses, d'ailleurs pas que dans ce secteur. Mais une fois que nous aurons pu budgéter concrètement et que nous saurons un petit peu plus sur la quantité d'argent que cela pourrait générer, eh bien, nous aurons l'occasion de revenir vers vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de toute manière de générer de l'argent. Nous sommes dans une logique de générer un trafic qui est le plus fluide possible et surtout un parking qui soit le plus propre pour les riverains et pour la commune. Ok. Je trouve que j'imagine que vous avez quand même fait un peu une mesure d'impact parce que, en général, c'est comme ça qu'on fait quand on chiffre la mise en place d'une mesure. Et que je trouve que pour ceux qui vont payer, ça peut être intéressant de savoir vers quoi vous comptez. Je dirais comme ça, déjà à ce niveau-là. Hein, c'est, bien sûr, c'est intentionnel, mais vous comptez flécher ces ressources. Vous donnerez peut-être la réponse plus tard. Que dans les faits, pour être tout à fait transparent, je ne voudrais pas vous sortir des chiffres pour faire miroiter des affectations qui ne seraient pas tenues. Aujourd'hui, on parle pour l'année 2021. Sur l'année 2021, comme on ne fera pas payer l'été, c'est-à-dire 4 mois, 4 mois, ça fait 40 euros par voiture. On n'est pas sur des sommes qui sont très importantes. Mais l'objectif, de toute manière, ce n'est pas de faire de l'argent pour la commune. L'objectif, c'est de mieux réguler le stationnement. Donc, ce n'est vraiment pas une question d'affectation pour nous. Ce qui compte, c'est plutôt la régulation du stationnement. Ok. La deuxième chose, c'est le prix que vous dites modéré. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison? Puisque, comme je vous disais, par exemple, moi, les éléments de comparaison que j'ai, qui sont ce qu'ils sont. Hein. C'est que, par exemple, à Vilaine, c'est gratuit pour 2 voitures. Je comprends, hein, là aussi, encore, les précautions que vous mettez derrière tout ça, c'est entendable, d'ailleurs. Mais finalement, c'est quand même zéro. C'est gratuit. Et puis, sur Mantes-la-Jolie, c'est 30 euros. Alors, bien sûr, on est peut-être plus éloigné de Paris, je ne sais pas. Ce qui fait que, quels sont les éléments de comparaison? Montigny, je crois que c'est 280 euros. Montigny-le-Bretonneux. Là, vous me donnez le haut de la fourchette, j'imagine. Oui, oui, absolument, bien sûr. 120 euros, c'est un tarif qui n'est pas au hasard. Hein, c'est pas parce que ça tombe pile 10 euros par mois. C'est vraiment, je dirais, on est dans les 30% moins cher de ce qu'on a observé. Alors, on a visité des communes, mais on a aussi fait une étude statistique documentaire. Hein, parce que bon, c'est pas sur la base de 6 communes qu'on aurait pu dire bingo, on a trouvé le bon tarif. Donc je pense que Monsieur Herry, qui est présent, aura l'occasion en commission de vous donner plus de détails sur les études qu'on a faites pour calculer ce tarif qui nous paraît vraiment raisonnable. Oui, il y a une question. Oui, moi j'ai une question. J'ai entendu parler de concertation avec les habitants et j'aimerais bien savoir sur ce projet, sous quelle forme ça s'est déroulé. C'est les comités de quartier ou... Alors non, pour être tout à fait transparent et préempter le sujet de manière plus globale, pour tout ce qui est référent de quartier et réunion de quartier, c'est pas faute de vouloir les faire, c'est comme les états généraux des briques rouges. Mais avec le Covid, malheureusement, cela devra attendre l'après-été, j'espère, et le plus tôt possible, j'espère aussi. Et pour le coup, les choses se sont faites, mais je te laisse Michel renchérir, plutôt sur des rencontres one-to-one et puis avec des rencontres en direct avec certaines associations. Le problème étant qu'on ne peut malheureusement pas tous se réunir en permanence, sans quoi ça aurait été plus facile. On a même organisé des visios. Donc il y a eu en effet des réunions qui ont eu lieu en visio et des réunions en présentiel, mais avec en petit comité à cause du Covid. Et dans votre programme, vous disiez, me semble-t-il, que vous vouliez faire la mesure combien? C'était le point 4 de Naturellement Mobile, page 11 de votre programme. C'était indiqué créer des cartes de résidents et développer l'offre de parking gratuit à côté des parkings de nos deux gares SNCF que la région et la ville ont décidé de rendre payants. Tout à fait. On est en contraire opposition avec... Non. Les gens qui ne sont pas résidents et qui veulent
qui se sentent obligés, qui ont une raison évidente d'aller en voiture à la gare, il faut bien qu'ils aient un parking. Donc l'offre de parking, elle doit être conséquente, c'est évident. Mais pour être bien clair, parce que je pense que c'est ça qui peut générer des doutes. Lorsque vous n'êtes pas résident et que vous devez vous garer pour une heure, deux heures auprès de la gare pour ramener quelqu'un, pour déposer une voiture, pour la raison que vous voulez, visiter quelqu'un, ça reste gratuit. Donc on est bien dans cette logique. Du coup, juste pour compléter cette question, en fait, la majorité des gens qui vont se garer aux abords des gares vont aller passer leur journée à Paris, parce qu'ils travaillent à Paris. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à plus long terme, et j'ai compris que ça dépendait aussi du département et de la région, mais quelles vont être les possibilités de stationnement aux abords des deux gares? En fait, aujourd'hui, sur la gare de Verneuil-Verneuil, il y a un parking avec un abonnement, je ne sais pas très bien, qui est accessible que par le côté sud, enfin le côté nord, pardon. Je ne sais pas très bien quel prix il est. Et sur la gare des Clairières, aujourd'hui, en tout cas en l'état, le stationnement n'est pas encore saturé. Il y a un parking en terre battue qui suffit. Voilà. Alors, si je puis me permettre, il ne faut surtout pas mélanger les deux sujets. Je vais répondre, mais d'abord, je veux bien montrer que c'est deux sujets qui sont distincts. Le résidentiel, c'est pour les résidents. Les gens qui veulent aller prendre le train ne sont pas des résidents, parce qu'en principe, les résidents sont à proximité. Ils ne vont peut-être pas prendre la voiture pour aller à la gare. Mais en tout cas, les résidents ne sont pas concernés, ce n'est pas pour eux qu'on fait ce dispositif. Là, le dispositif, c'est pour que les résidents puissent stationner de manière illimitée, sans devoir à chaque fois tourner toutes les deux heures le disque bleu. Ça, c'était vraiment leur demande, c'est pour ça qu'on le met en place. Et c'est un sujet qui est différent de l'accès à la gare, qui est un autre sujet, très conséquent pour le coup, que nous travaillons aussi bien avec GPSEO, avec la région et le département, et sur lequel on vous reviendra, on vous l'avait promis avec Eugène. On vous reviendra lorsqu'on pourra vous présenter, probablement pas avant l'été, l'étude sur le périmètre nord, qui comprendra donc à terme, en effet, de toute manière, comprendre déjà, côté Verneuil-Verneuil, le parking qui sera géré par GPSEO, les espaces côté nord de la gare Verneuil-Verneuil, et puis les espaces nord, mais aussi sud, de la gare des Clairières, qui de toute manière vont être amenés à évoluer, puisque ce n'est pas la commune, mais GPSEO qui va préempter le sujet et nous forcer de toute manière à des aménagements dans les toutes prochaines années. Merci pour votre réponse. Je précise quand même que les sujets sont forcément liés parce qu'aujourd'hui, si par exemple si l'extension arrive dès l'année prochaine, par exemple sur la gare des Clairières, et que donc sur la gare des Clairières, aux abords de la gare des Clairières, je ne sais pas comment ça se passerait, mais on se retrouverait en disque vert. Ça veut dire que des gens qui aujourd'hui se garent près de la gare pour aller à Paris ne pourraient plus le faire. Ils seraient verbalisés. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je crois qu'on a dit tout à l'heure qu'on étudiait le stationnement résidentiel, sa mise en place l'an prochain dans le quartier du MOPA. Que je sache, dans le MOPA, il n'y a pas de gare. Donc vous voyez que c'est lié, vous n'avez pas tort de dire que c'est lié, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on fait du stationnement résidentiel dans une gare, évidemment, on prend en compte, je l'ai dit en préambule, les objectifs, la politique de la communauté urbaine, de la région en matière de gare, éole, etc. On y réfléchit, bien sûr. Mais indépendamment de ça, on ne fait pas du stationnement résidentiel uniquement pour les quartiers de gare. C'est pour les raisons qu'a évoquées Monsieur le maire. Est-ce que, du coup, des moyens, parce que l'idée, si c'est de réguler, c'est que, du coup, il va y avoir de la verbalisation, on suppose, plus intensive pour, du coup, les non-résidents et qui dépasseraient le temps du disque. Parce que, comme disait Madame Delmas, bah, quand on va à Paris et qu'on s'est stationné du côté de la gare, on va pas faire des allers-retours toutes les deux heures pour changer son disque. Donc, ça veut dire que pour les Verneuiliens, ils vont se faire aligner régulièrement et ne pourront plus se garer du côté de la gare, finalement, absolument hormis pas. Pour faire des courses. Absolument pas. En fait, alors, la situation, j'ai pas compris le problème du disque. Ben, la situation ne va pas changer, en fait. Aujourd'hui, si vous allez à Paris en vous garant dans le quartier de la gare, et que vous êtes sur une zone verte, que vous restez garé plus de deux heures, vous vous ferez aligner. Oui, c'est pas... Donc il n'y aura pas de changement. D'accord, mais quel est le taux, alors, de verbalisation dans les zones à 10, s'il vous plaît, aujourd'hui? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas la réponse, tout simplement. Mais je crois que c'est le bas hein, de l'échelle, c'est-à-dire 35 euros. Simplement, non, pas en prix, en pourcentage. Non, je sais pas vous répondre. Ce que je sais vous dire, c'est que c'était déjà en vigueur, madame. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on a changée, je complète ce que vient de dire monsieur le maire, c'est qu'on passe de 4 heures à 2 heures. Et quand vous allez passer la journée à Paris, au bout de 4 heures, vous venez pas non plus changer de disque. Donc, c'est la seule chose qui a changé. Ça mais c'était rien. Déjà en vigueur.
Et il y a eu déjà des verbalisations, elles ont été suspendues pour la période Covid. C'est tout. Alors, ça serait intéressant justement d'avoir un petit peu ces taux de verbalisation, parce que si vous mettez aussi en place... Qu'est-ce que vous appelez taux de verbalisation, bah, quel est le pourcentage de verbalisation? Mais attendez, Madame Huard, on n'est pas dans une compétition à la verbalisation, on n'est pas mais du tout... Non, je ne fais pas de compétition, mais si l'idée est de réguler quand même et de libérer des places, c'est qu'à un moment donné, on va quand même être plus vigilant sur le temps de stationnement, oui. Peut-être plus qu'aujourd'hui, oui. Et je suis désolée, ça fait un moment que j'habite à Verneuil et que j'utilise ces places, et ce n'est pas forcément verbalisé. Du coup, ça serait intéressant justement d'avoir ce chiffre, pour, peut-être parce que je me trompe et que 100% des véhicules qui dépassent sont verbalisés, auquel cas je me trompe royalement, mais je ne suis pas sûre. Donc, est-ce que du coup, il va y avoir quand même, puisque l'objectif est de réguler un petit peu plus le stationnement, est-ce qu'il y aura plus de verbalisation, auquel cas finalement ça sera Je propose que le sujet soit traité plutôt en commission, parce que si quelqu'un ici est capable de dire combien il y a de voitures qui sont verbalisées au prorata celles qui ne le sont pas, enfin je pense que personne ne saura. Bah, et par contre on peut regarder ensemble. Non, mais c'est pas possible. Bon, Madame Huard, s'il vous plaît, je vais vous apporter une réponse à votre question. Je vais vous apporter une réponse, mais pas sous l'angle que vous le posez en termes de taux. Le stationnement. Dépassement de disque était verbalisable. Il ne l'a pas été appliqué depuis un certain temps avant que nous soyons en responsabilité. On a poursuivi cette politique à cause du Covid. Évidemment, et donc j'espère répondre en partie à votre question, en tout cas je pense que le public l'aura compris comme ça, nous allons être plus vigilants sur la verbalisation du stationnement dépassement de disque. Voilà. Voilà. J'ai pas donc c'est bien vous donner, ce que j'avais compris, puisque autrement ça serait pas équitable que des résidents payent et que des non-résidents stationnent, dépassent et ne soient pas verbalisés. Donc il va y avoir quand même une politique de verbalisation peut-être un petit peu plus intense. Et du coup, on en revient aux moyens, effectivement, peut-être humains pour faire ça. Et peut-être que ça répond du coup à M. François Daville, qui vont, les moyens vont peut-être être réaffectés justement pour ça. Et il y aura des amendes qui vont. Vous faites les questions et les réponses. Je ne sais pas. C'est peut-être un moyen de financer la police municipale. Ce sont deux choses qui sont radicalement différentes. Les ASVP, ils ne sont pas fléchés sur les CIVICOP. Par conséquent, ça n'a rien à voir. Oui. La police municipale et les ASVP sont deux choses qui sont radicalement différentes. Donc, vous ne pouvez pas avoir de la réaffectation de budget. Ce sont les ASVP qui font la verbalisation, pas la police. Et ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est de ne pas avoir eu déjà ces documents en commission et ce premier débat en commission. Et le fait que, finalement, on ne repasse pas par une prochaine délibération, que cette expérimentation, qui n'est qu'une expérimentation, soit d'emblée une délibération assez large, puisque si nous votons ce soir, après, tout se fera par arrêté sans que nous n'ayons un éventuel débat à venir. Donc, on peut regretter ce choix-là, puisqu'on on pourra plus rediscuter de ce sujet-là, puisque vous passerez par un arrêté sur les prochaines zones. Comme nous n'avons pas discuté en commission déjà au préalable... C'est faux. Madame Huard, je pense que vous mélangez deux choses. Vous mélangez le poids des instances. Non, c'est faux. Il y a eu deux commissions au lieu d'une. Normalement, un sujet de délibération est débattu en une commission. Et il se trouve, pour des raisons que je vais vous expliquer, on en a parlé deux fois. Les deux dernières commissions urbanisme, j'ai évoqué le sujet. L'avant-dernière commission urbanisme, je l'ai évoqué longuement. Et j'ai d'ailleurs eu des remarques de M. Fréjabu et de M. François Naville me remerciant pour les explications détaillées que j'avais données sur le projet. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier de leur honnêteté intellectuelle. Et si je puis me permettre, ce n'est pas parce que... Et la dernière, excusez-moi, monsieur le maire, la dernière délibération, la dernière commission, j'en ai reparlé. Pourquoi il y a eu deux commissions? Parce que la délibération n'est pas passée au dernier conseil, pour des raisons techniques. L'ordre du jour était saturé. Donc, on a décidé de reporter cette délibération au conseil de ce soir. Mais à la dernière commission, j'en ai reparlé. J'ai demandé s'il y avait des questions supplémentaires. Les membres de la commission m'ont dit non, vos explications étaient claires, on n'en reparle plus. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas débattu en commission. Et pour ce qui est de la suite, ne vous inquiétez pas, l'objectif
J'espère qu'avec le Covid, les choses vont s'améliorer, qu'à partir de la rentrée après l'été, nous aurons les référents de quartier, les conseils de quartier qui pourront progressivement se mettre en place et qui permettront d'être le support évident, naturel de ces enjeux, puisque cela sera traité ainsi quartier par quartier et donc avec beaucoup plus de finesse. Oui, mais ça restera des arrêtés. Nous n'aurons pas forcément l'occasion d'en rediscuter. Et quelque chose qui est expérimental être traité comme expérimental. Cette première année étant expérimentale pourrait être aussi gratuite, puisque finalement, on peut tester dans un premier temps la gratuité cette année, puisque nous sommes dans un processus expérimental. Donc, justement, si vous faites la gratuité en expérimentation, tout le monde va prendre la carte, on va dire que c'est un succès. Et après, quand on va passer payant, on va se rendre compte que c'est plus compliqué. Une carte par résident, c'est contrôlable même, et que cette première année est gratuite dans le cadre de l'expérimentation. Je m'engage à revenir vers vous en commission à la fin de cette année vous faire un retour d'expérience. Je m'engage en commission, même s'il n'y a pas de délibération, à vous faire un retour d'expérience sur ces 6 premiers mois de stationnement résidentiel dans le quartier de la gare Verneuil-Vernay. Et pourquoi on ne fait pas le choix de la délibération future, de reprendre par une délibération future plutôt que par un arrêté? Qu'est-ce que ça change en fait Ça change beaucoup de choses, Madame Huard. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en conseil municipal. Ça change que c'est une lourdeur administrative qui va faire perdre du temps à tout le monde. Alors que si jamais demain nous avons un conseil de quartier qui nous donne le go, on n'aura pas besoin d'attendre le passage en commission, puis le passage en conseil municipal, peut-être des élus du conseil municipal qui habiteront pas dans les quartiers, qui se prononceront différemment du conseil de quartier. On va être dans un imbroglio. C'est une demande des habitants qui nous a été remontée, qui est forte. Ça nous permettra d'avancer, mais par contre, on vous le dit, on s'y est engagé, à chaque fois de vous en référer en commission, et puis rien n'empêche de pouvoir en reparler en conseil municipal si vous avez des questions. Évidemment. Monsieur Lussault, il y avait une question? En fait, j'ai deux questions. J'en ai une sur est-ce que vous le nombre de foyers concernés, donc potentiellement de véhicules. Et le deuxième, et je pense que ça peut répondre à la question précédente, c'est finalement, quels sont les critères de validation de cette XP que vous avez décidé de regarder? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fera que vous direz que cette expérimentation, c'est un succès ou pas? Bon, le critère d'évaluation essentiel, c'est l'adhésion de la population, c'est-à-dire la demande d'adhésion au stationnement résidentiel. C'est le critère numéro 1. Et le critère numéro 2, c'est la baisse des infractions. C'est-à-dire que j'ai répondu tout à l'heure à Maduard en disant que évidemment on va verbaliser les véhicules qui seront en zone verte en dépassement de temps. L'objectif, et je pense que tout un chacun n'aime pas être verbalisé tous les jours. Donc progressivement, on espère que ces personnes-là soit iront au parking, soit encore mieux, utiliseront d'autres mobilités, comme le bus ou le vélo, pour se rendre à la gare. Donc ça fait partie des critères. Sur l'autre question que vous avez posée, M. Lussault, je vous propose de passer la parole à M. Herry, qui a des éléments chiffrés plus précis. Il y a exactement 257 habitations, donc 257 familles concernées. Et merci. Pour combien de places, puisque vous les avez comptées? On en a un peu plus de 370 à peu près. Donc il restera 100 places pour les Vernoliens non résidents. Ou pour les deuxièmes voitures. Ou pour les deuxièmes voitures. Ou plus de place du tout pour les Vernoliens si on passe à la deuxième voiture, effectivement, très rapidement, en fait. Il y aura de la place que pour les résidents. Non, mais aujourd'hui, quand vous allez dans le quartier de la gare, c'est encore à peu près acceptable, mais toujours à cause de la crise sanitaire. Mais en période normale, les voitures sont garées n'importe où. C'est l'anarchie totale. Les gens n'en peuvent plus, quoi. C'est-à-dire, il y a une demande forte. Excusez-moi, monsieur le député, juste une petite précision. Monsieur Herry, vous avez estimé le nombre de professionnels qui pourraient demander pour être complet par rapport à la demande? Au niveau professionnel, non, on n'a pas fait la distinction, mais sachant que de toute façon, on a un petit peu de place supplémentaire déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les professionnels ont très certainement plusieurs véhicules, mais sachant que c'est des habitations, et ça a été pris aussi en compte, il faut savoir, ce sont grosso modo que des pavillons, donc il y a du terrain, et ils ont effectivement possibilité de pouvoir se garer chez eux. Donc à partir de là... En fait, on a eu très peu de demandes de ce côté-là et la plupart des professionnels disposent de leur propre parking, ce qui est le cas par exemple du cabinet de radiologie qui est un parking privé pour le personnel. Et ce qui fait que juste je rebondis sur la question qui était de dire pourquoi un double tarif, un tarif professionnel et un tarif particulier? Eh bien, je vais rebondir aussi en l'occurrence parce que là on parle du quartier de la gare qui a ses spécificités. Mais sur d'autres quartiers, nous avons des demandes fortes et nous allons devoir aligner toute la ville sur les mêmes tarifs. On ne va pas pouvoir faire des tarifs par quartier différents. Ça serait pour le coup injuste.
Oui, d'accord. Mais pourquoi plus cher, en fait ? Vous savez très bien que c'est déduit des frais généraux des entreprises. Vous avez le droit de vous faire rembourser vos frais de parking. Donc c'est pas une charge incommensurable pour une entreprise. Voilà. Bon, sur cela, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des... Alors, on commence par lire la délibération. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L233-87 et R2333-120 à R2333-74, considérant que le stationnement des véhicules sur la voie publique peut compromettre la commodité et la sécurité de la circulation, considérant que devant l'augmentation sans cesse croissante du parc automobile, la réglementation des conditions d'occupation de la voie publique répond à une nécessité d'ordre public, considérant la volonté de permettre aux riverains de pouvoir stationner à proximité de leur domicile moyennant une autorisation et un tarif adapté, considérant la nécessité de réglementer les modalités de fonctionnement de stationnement dans plusieurs secteurs et quartiers de la commune qui seront déterminés au fur et à mesure de leur mise en place par arrêté du maire, il est proposé d'instaurer un stationnement payant résidentiel sur l'ensemble des emplacements autorisés situés sur la voie publique et de fixer les règles de fonctionnement général de ce service. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que le statut de résident applicable au stationnement payant résidentiel est accordé aux particuliers vernouliens, c'est-à-dire aux personnes physiques ayant leur lieu de résidence principale ou secondaire dans les voies publiques concernées, aux professionnels vernouliens, c'est-à-dire aux sociétés inscrites au registre du commerce, ainsi qu'aux professions libérales et aux artisans dont les locaux sont situés dans les voies publiques concernées. Décide que ce statut de résident ne s'applique que dans le secteur d'éligibilité du résident défini par arrêté du maire. Décide que les justificatifs à produire afin de bénéficier du statut de résident pour le stationnement payant résidentiel sont les suivants. Pour les particuliers, pièce d'identité avec photo, justificatif de résidence, dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation, quittance d'assurance d'habitation en cours de validité, dernière facture de distribution de gaz, d'électricité ou d'eau potable, certificat d'immatriculation du véhicule en cours de validité au nom et à l'adresse du domicile vernolien, attestation délivrée par l'employeur en cas de mise à disposition ou contrat de location. Pour les professionnels, extrait CABIS de moins de 12 mois, pièce d'identité avec photo de l'une des personnes désignées dans la rubrique gestion, direction, administration, contrôle, justificatif de domiciliation de l'activité à Verneuil, dernier avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, quittance d'assurance d'un local à usage commercial en cours de validité, dernière facture de distribution de gaz, d'électricité ou d'eau potable, certificat d'immatriculation du véhicule en cours de validité, contrat de location. Décide qu'un seul véhicule est attaché à chaque abonnement résidentiel, numéro d'immatriculation unique par abonnement. Décide que la durée de l'abonnement résidentiel est fixée à un an, du 1er janvier au 31 décembre. Décide que l'abonnement est délivré moyennant le règlement immédiat de la redevance annuelle à la souscription. Décide que l'abonnement résidentiel autorise le stationnement du véhicule qui lui est attaché sans limite de durée. Décide de fixer le barème tarifaire du stationnement résidentiel comme suit. Particulier, premier véhicule rattaché au foyer, 1 an, 120 euros. Particulier, deuxième véhicule et suivant rattaché au foyer, 1 an, 180 euros. Professionnel, 1 an, 180 euros. Précise que ces dispositions sont applicables au 1er septembre 2021. Précise que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal, fonction 112, nature 70 321. Merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui est contre ? Alors, attendez, je voudrais donner une petite explication de vote. Je suis désolé, mais je vais résumer rapidement notre position, que les gens qui nous regardent comprennent bien ce qu'on pense. C'est que pour nous, comme vous l'avez indiqué, c'est une délibération d'un cadre général et qui indique effectivement que les modalités donc, de fonctionnement seront déterminées au fur et à mesure par arrêté du maire. Et pour nous, à ce stade, ça ne nous paraît pas souhaitable. On gouverne par arrêté, soit pour répondre à une situation d'urgence, soit pour définir des éléments précis d'un plan global déjà décidé, mais pas pour appliquer une politique générale qui n'a pas été débattue en précision et ni votée par le conseil municipal de façon plus détaillée. Notre recommandation, donc, c'est qu'il nous paraît souhaitable qu'un plan de déplacement urbain soit élaboré préalablement, on l'a dit, et préalablement à la mise en place d'un stationnement résidentiel payant. En premier lieu, parce que pour coordonner toute cette politique-là, clairement, c'est comme on l'a vu, il y a des sujets qui sont liés, ça a été vu dans le débat. Et puis on pourrait aussi s'interroger, puisque là ça couvre toute la ville, si tous les quartiers sont éligibles au stationnement résidentiel. Je pense que ça, c'est un point important, puisque le cœur de ville, clairement, c'est un sujet central. La réponse est non. On a déjà répondu. Non, mais bien sûr, mais je dis que
Pour nous, le plan de déplacement urbain ou le projet global que vous dites avoir défini dans, à l'état de projet, mais pas présenté, bah, pour nous, on aimerait qu'il soit présenté ici de façon précise, détaillée, etc. Et donc, en second lieu, parce que pour nous, des solutions aux besoins d'accessibilité, de transport en commun, de parking, de mobilité douce, doivent être apportées de façon concomitante à cette mise en place de stationnement résidentiel payant. Évidemment, pendant cette période, il nous paraît préférable, au moins de façon temporaire, la mise en place d'un stationnement résidentiel à tarif minimal, et ce, afin de faire respecter efficacement les zones vertes et les zones bleues, et de permettre une transition douce en attente d'une probable moindre fréquence du télétravail. Voilà, notre explication est claire, et c'est pour toutes ces bonnes raisons que nous voterons pas favorablement à votre délibération. Merci. On est favorable à répondre à la demande des résidents de régler les problèmes de stationnement sur le fond. Par contre, sur la forme de la délibération, aujourd'hui, c'est une délibération importante où effectivement tout sera décidé par arrêté ensuite sans garantie de discussion. On aimerait effectivement, puisque vous dites que ça serait bien que les gens n'aillent plus à la gare en voiture, mais pour l'instant, on ne leur a pas proposé d'autres choses. Vous dites qu'il y a un parking à vélo, mais si tout le monde y descend, je vous assure qu'il va être vite saturé, qu'on est dans le cadre d'une expérimentation, que cette expérimentation pourrait être faite tranquillement et gratuitement cette année, qu'on voit bien que si vous dites que c'est pour une voiture, mais la délibération laisse l'opportunité de mettre autant de véhicules par la suite que les Vernoliens souhaiteront et permettront plus à des non-résidents à la fin de se stationner dans les quartiers, parce que le risque, vous le disiez aussi, c'est que des gens sortent leur voiture de leur garage. Donc sur le fond du stationnement résident, nous sommes tout à fait d'accord. Sur la forme de cette délibération, nous ne sommes pas favorables et nous voterons contre aussi. Un petit complément, il n'est fait nullement mention, aucune fois, d'expérimentation dans la délibération que vous nous faites voter. Parce que la délibération est en effet une délibération cadre, j'ai déjà répondu à cette question. L'objectif étant de pouvoir ensuite travailler pas seulement avec le conseil municipal, mais avec les conseils de quartier, sans quoi les conseils de quartier, vous les dénaturez totalement de leur nature, mais peu importe. Mais le conseil de quartier, on n'en a pas parlé encore, on ne sait pas comment ils vont s'organiser, quelle place les élus auront dans les conseils de quartier. Et du coup, sur un autre sujet, vous préférez tout de suite préempter le fait qu'ils ne vous leur donneraient aucun pouvoir? Non, qui est votre droit. Ah, mais pas du tout. Vous transformez complètement mes propos. J'ai dit que pour l'instant, je souhaitais une expérimentation gratuite, qu'on travaille avec les conseils de quartier, mais qu'on ne laisse pas une délibération permettre à la fin de prendre des décisions sans que nous en ayons nous-mêmes aussi discuté avec les conseils de quartier. Bon, les points de vue peuvent être différents. Je vais le mettre au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante, qui est relative à l'attribution du financement au titre du dispositif d'aide communale exceptionnelle visant le soutien au tissu commercial. Et ce que je propose, c'est de laisser la parole à Catherine Charuel. Il s'agit d'un dispositif qui avait été présenté dans le conseil municipal du 23 mars, qui a approuvé sa création. Donc aujourd'hui, il s'agit d'approuver l'attribution et le budget. Ça concerne en fait l'aide au loyer pour les commerces qui ont été fermés lors du deuxième confinement. Donc c'est une aide qui va jusqu'à 4 mois de loyer. Donc là, vous voyez le tableau des 18 commerces qui sont éligibles et ont un dossier validé, qui a été prévalidé par le département, donc pour un budget global de 74 906 euros. La délibération, donc je vais la lire, il s'agit d'approuver l'attribution d'un financement à hauteur de 74 906 euros au titre du dispositif d'aide communale au commerce et à l'artisanat à l'ensemble des établissements bénéficiaires figurant dans la liste exhaustive en annexe de la présente délibération. Donc, laquelle vous voyez affichée en ce moment. Donc, approuve la création d'un budget de 74 906
euros pour la mise en œuvre du dispositif d'aide communale au commerce et à l'artisanat. Troisième point, sollicite le refinancement de cette aide auprès du département des Yvelines au titre de la seconde phase de son dispositif d'aide départementale d'urgence au soutien du bloc communal et au tourisme. Monsieur le maire a déposé une demande à cet effet pour un montant de 74 906 euros. Dit que les crédits seront imputés au chapitre 65 du budget communal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On l'avait déjà voté sur le principe la dernière fois, mais s'il y a oui, des... Oui, monsieur le maire, juste une oui. remarque. Comme on l'a fait la dernière fois, nous voterons pour cette délibération. Néanmoins, on s'interroge sur le fait que nous n'ayons pas été en commission, qui traite de l'attractivité économique, de la communication, de l'environnement et du développement durable, depuis maintenant plus de 2 mois, alors que ce sont des sujets qu'on aurait pu évoquer en commission. Ça avait été déjà évoqué lors d'une commission urbanisme, c'est pour ça qu'on a recommencé à la présenter en commission urbanisme. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de point à vous présenter dans l'autre commission, c'est pour ça que nous ne l'avons pas rassemblée, mais nous allons faire après le conseil municipal. Une commission municipale n'est pas là simplement pour faire une chambre d'enregistrement des Non, mais elle n'a pas besoin de se rassembler quand il n'y a pas de sujet à aborder. Bon, en visioconférence, on peut très bien anticiper certains sujets. On a des sujets, juste pour finir, on a des sujets qui ont été abordés sur les poubelles dans la ville, sur la ferme pédagogique, tout ça, c'est des sujets... On oui. doit travailler sur le terme. Monsieur Moreau, nous, on a travaillé, nous aurons l'occasion. On a travaillé de notre côté pour contre-proposer sur ces sujets-là. On n'a pas de réunion, c'est un peu dommage. Voilà. Vous êtes tout à fait libre de nous proposer aussi de quoi inscrire à la commission des sujets. On est tout à fait ouvert à ça, c'est proposé à chaque fois. Et par ailleurs, vous savez bien que nous reviendrons toujours vers vous lorsque nous aurons des sujets liés aux délibérations. Les commissions sont là Madame pour étudier Gauthier, des délibérations. Le règlement intérieur, c'est vous envoyer la convocation pour la commission et on peut proposer, lorsqu'on a une réunion, des points. Là, nous n'avons pas eu de convocation. C'est la remarque que je fais, c'est tout. Voilà, dont acte. Il n'y a pas de souci. Moi, la remarque que je vous fais, c'est qu'il y en aura une bientôt. Allez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous préciser une seule chose, c'est de vous préciser qu'au prochain conseil municipal, je me permettrai de rajouter une délibération pour faire la clôturer ce qui sera un triptyque, puisque cette délibération nécessitera une délibération complémentaire, à savoir une délibération pour modifier le budget, puisque il faudra pouvoir verser l'argent aux commerçants très très vite. Et par conséquent, puisque cela sera versé en juillet, il faudra que nous soyons prêts. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? S'abstiennent ? J'en déduis que c'est adopté et je propose que Paul Malret prenne la main sur les délibérations relatives aux finances. Bien. Si tout le monde m'entend ? Oui. On va commencer par une délibération qui concerne l'approbation de la fixation de la composante de neutralisation fiscale des attributions de compensation. Ah. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Un peu mieux. Donc, je disais qu'on va commencer par une délibération qui concerne l'approbation de la fixation de la composante de neutralisation fiscale des attributions de compensation à compter de 2017. Je ne vais pas rentrer dans la lecture très technique, je vais essayer d'expliquer un peu l'enjeu de cette délibération. Ça concerne nos rapports financiers avec la communauté urbaine, GPSEO, et pour dire que, cette délibération a été proposée par la gouvernance de GPSEO. Elle a fait l'objet d'un accord que je qualifierais de contractuel entre les 73 communes. La rédaction de cette délibération a été proposée par GPSEO. Elle doit être votée de manière concordante par les 73 communes. Mais au-delà de l'aspect formel, je voulais simplement expliquer en quelques mots en quoi elle consiste. En fait, ce qu'on appelle l'attribution de compensation, c'est le solde entre, d'une part, les charges que nous transférons, c'est-à-dire les services que nous demandons à la communauté urbaine de nous rendre, et ce que nous lui transférons de recettes fiscales, et donc qui peut être soit positive, soit négative, et qui a donné lieu à un contentieux important entre 2016 et 2018. Cet accord qui se dessine entre l'ensemble des communes de la communauté urbaine est là pour essayer de solder
ce contentieux dans une situation où on a un peu de mal à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Le résultat de cette proposition, c'est que, certes, elle nous demande de payer pour l'année 2017 à hauteur de 568 000 euros, mais elle réduit de manière récurrente les sommes que nous devons chaque année à la communauté urbaine, qui étaient de l'ordre de 2,2 millions, elle les réduit à 1,7 millions. Donc, ça annule les dettes que nous avions, enfin les titres qui avaient été émis précédemment. Et donc, c'est pour la commune de Verneuil, au-delà des réserves juridiques qu'on pourrait avoir, mais le sujet n'est pas là, une opération importante. Et c'est ce qui permet aussi d'envisager de manière un peu plus sereine un avenir avec la communauté urbaine. Je ne sais pas ce que je propose, c'est de prendre peut-être les questions ou les remarques et puis dans la foulée de voter la délibération. Est-ce qu'il y a des retours? On en avait déjà eu l'occasion d'en débattre. Pas sûr qu'il y ait des retours. Oui. Ouais, je vais juste reprendre un peu la parole sur ce sujet. Donc moi, je vais voter contre pour plusieurs motifs. Donc déjà, cet accord, il n'est pas totalement rétroactif. Donc sur l'année 2017, on n'est pas en conformité avec ce que a dit le tribunal administratif. Ensuite, l'équité au sein de la GPSO n'est toujours pas garantie. Donc chaque citoyen contribuable au sein de la GPSO ne paye pas de la même manière. Et puis le dernier point, c'est que normalement, les AC doivent être neutres. Et aujourd'hui, la GPSO perd 2 millions d'euros avec cette affaire-là. Donc, au global, en fait, les contribuables vernoliens le retrouveront sûrement dans leur feuille d'impôt dans les années à venir. Il y a d'autres demandes de prise de parole? Auquel cas, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Et nous pouvons passer au rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine perçue au titre de l'exercice 2020. Alors, la dotation de solidarité urbaine, c'est un financement de l'État et nous devons rendre compte de l'utilisation de ces financements. Pour un montant global de 126 000 euros, enfin, je passe plus exactement 126 081 euros, il y a 83 011 euros qui ont été sont venus financer des travaux sur les équipements sportifs dans le gymnase Coubertin et une embauche d'apprentis dans différents services pour 43 070 euros. S'il y a des questions, des prises de parole, sinon je vous propose de le mettre au vote. Ok. Qui est-ce qui est contre? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté et que nous pouvons passer au rapport relatif au fonds de solidarité de la région Île-de-France perçu sur le même exercice. De la même façon, il faut rendre compte chaque année des financements qui sont accordés par ce fonds. Donc, on a pour 36 581 euros des travaux dans la crèche Pomme-Pousse, des travaux dans les écoles maternelles Jacques Prévert, Chemin Vert, La Garenne, Joseph Kosma, Françoise Dolto, Jean Jaurès pour 325 000 euros, des travaux dans les écoles maternelles La Garenne et La Source pour 329 628 euros, soit un total de 691 209 euros. Il n'y a pas de demande de prise de parole ou de questions. Je propose de le mettre au vote. Qui est-ce qui est contre? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté, que nous pouvons passer au sujet relatif aux tarifs. Alors, sur les tarifs publics, les tarifs publics avaient été figés en 2020 pour tenir compte, je pense, de la situation
du Covid. De la même façon, et compte tenu des difficultés sociales que vont rencontrer les Vernoliens en 2021, nous proposons de proroger une nouvelle fois en 2021 le blocage de l'ensemble des tarifs publics. Et ça vaut pour cette délibération et pour la suivante. Donc sans aucun changement sur aucun tarif public en 2021. Il y a des remarques ou des questions sur la délibération relative aux tarifs de la ville qui ne bougeront pas donc cette année. Ouais, j'aurais souhaité une baisse pour les personnes les plus modestes. Voilà. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? On déduit que c'est adopté. Et il s'agit exactement de la même délibération, mais là, pour le coup, pour les tarifs de l'espace Maurice Béjart. Donc, même chose, pas d'augmentation. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de prise de parole ? Ou sinon, je propose de le mettre au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté et la transition est parfaite pour pouvoir aborder la création d'un nouveau tarif D pour l'espace Maurice Béjart. Et je laisse la parole à M. Olivier Lugic. Bonsoir. Je vais vous présenter d'abord la situation. Nous avons à l'espace Maurice Béjart une tarification. C'est meilleur ? Non. Bonsoir. C'est bon ? Donc je vais commencer par vous présenter la situation des tarifs de l'espace Maurice Béjart. Nous sommes actuellement sur une tarification par catégorie A, B, C, qui correspondent plus ou moins à un standing de spectacle. Et nous trouvions que le tarif le plus bas restait un petit peu élevé pour certains types de spectacles. Et nous avons décidé de proposer la création d'un tarif catégorie D, qui est un tarif à 8 euros, tarif unique, ce qui est 2 à 3 fois moins cher que le tarif C, selon les catégories et les réductions possibles. Et ce tarif a vocation à être utilisé de manière estivale, notamment cet été, pour un spectacle qui sera proposé le samedi 3 juillet pour la clôture de la saison culturelle et le dernier spectacle avant rénovation de l'espace Maurice Béjart. Donc, tarif unique à 8 euros. Il y a des questions ou des demandes de prise de parole ? Oui, j'ai une question. En fait, j'étais à la commission et on s'est posé une question après coup. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une gratuité pour les gens typiquement qui bénéficient du CCAS ? Alors, la gratuité, elle est sur décision pour certaines catégories de personnes ou pour des catégories d'âge. Et c'est au coup par coup. En fait, c'est pas de manière systématique. Parce que du coup, ce qu'on se disait, c'est qu'on pourrait peut-être avoir un certain nombre de places prises en charge par la mairie, 10 ou 20 dans l'année, spécifiquement attribuées pour des bénéficiaires du CS. Ça existe. De mémoire, elles sont données directement au Resto du Cœur de Vernouillet. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre ? S'abstient ? J'en déduis que c'est approuvé et nous allons pouvoir passer à la délibération suivante relative à l'adhésion à la convention du guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Et je laisse la parole à Eugène Dalle. Terme barbare. Le gno. Alors en fait, il s'agit de la dématérialisation des demandes d'urbanisme, permis de construire, etc., tout ce qui concerne ça, et qui, aujourd'hui, nous entraîne c'est la loi, on ne peut pas faire autrement, donc, et qui va nous entraîner à demander à l'ensemble des habitants de Verneuil, quand ils ont un permis de construire, de pouvoir nous l'envoyer par Internet à travers, je dirais, à travers la ville. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous lire. Je pense que vous avez eu tous les documents. Il est clair, il est net, il n'y a pas d'ambiguïté. GPSO a aujourd'hui un guichet numérique avec un logiciel. Et aujourd'hui, Verneuil va l'utiliser et ça va nous coûter 0,30 € par habitant annuellement. Ce qui fait en gros 4 800 € par an. La maintenance de l'ensemble du système est attirée par GPSO. Nous avons participé, nous aussi, ça est bon que vous le sachiez, aux essais de ce système avec GPSO et nous étions une dizaine de villes.
et nous en avons tiré la conclusion que le système est facile à utiliser. Ça va quand même poser des problèmes, et pour tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui la maîtrise de l'informatique, et particulièrement de tout ça. Et je pense qu'il faudra mettre en place un guichet numérique libre-service à l'intérieur de notre ville, le temps que les gens prennent la tâche de tout ça. Les permis de construire et les permis d'urbanisme seront toujours acceptables en papier, mais bien évidemment, c'est nous qui allons nous taper le boulot. La convention, elle a le mérite de résumer rapidement. Donc, dans le cadre de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens, le gouvernement souhaite que chacun puisse saisir l'administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l'instruction dématérialisée complètent les mandats d'autorisation d'urbanisme, seront généralisés à partir du 1er janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan, et du code des relations entre les usagers et l'administration. La communauté urbaine est en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes qui souhaiteraient se doter du CNO et pouvoir répondre à la transition numérique relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme attendues par la loi. Afin de répondre à cet enjeu, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise propose aux communes de mutualiser la mise en place d'un guichet numérique des autorisations d'urbanisme par délibération du bureau communautaire du 14 janvier 2021. Elle propose donc aux communes membres qui souhaiteraient bénéficier de ce téléservice d'urbanisme de leur mettre à disposition ce téléservice au moyen d'une convention cadre spécifique. Cette convention organise les relations entre la commune et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise pour la mise en œuvre de ce téléservice. La contribution de la commune qui adhère à la convention est de 0,30 € par habitant en prévoyant une mise tarifaire dans tous les 3 ans. Ce tarif correspond à la prise en charge par la commune du coût de fonctionnement annuel mutualisé en maintenance et évolution technique logicielle, les investissements nécessaires à la mise en œuvre de CNO et à l'ingénierie non pris en charge par le comité urbain. La commune de Verneuil-sur-Seine considère que la mise en place de ce téléservice est nécessaire pour améliorer ses relations avec les habitants et leur faciliter leurs démarches administratives en vue de déposer une demande d'urbanisme et des documents afférents. Le futur guichet numérique accessible depuis le site internet de la commune contribuera à optimiser le traitement des dossiers déposés en commune et instruits par le service d'urbanisme et par les services de CUGPSO, les services fonciers, les services communs, etc., etc. À cette convention est annexé le règlement des conditions générales d'utilisation du système qui s'attache à assurer la recevabilité de la saisine par voie électronique, les demandes d'autorisation d'urbanisme, des déclarations d'intention d'aliéner et leur suivi par le demandeur au cours de leur instruction. Donc la proposition, je vais simplement dire ce qui est important, c'est vu la délibération du bureau communautaire qui approuve la mise en place du guichet numérique des autorisations d'urbanisme et le type de convention, type de mise à disposition du service aux communes et le règlement des conditions générales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en place le téléservice d'urbanisme dénommé guichet numérique des autorisations d'urbanisme sur le site internet de la commune afin de permettre aux usagers de saisir l'administration par voie électronique. Approuve la convention spécifique de mutualisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme entre les communes et la GPSO et dit que le fonctionnement de ce téléservice fait l'objet d'une participation annuelle calculée sur la base de 0,3 € par habitant en prévoyant une mise à jour tarifaire tous les 3 ans. Et approuve le règlement des conditions générales d'utilisation et autorise Monsieur le maire à signer au nom de la commune la convention de mise à disposition du guichet numérique et autorisation d'urbanisme représentée par le président Monsieur Raphaël Cognier. Merci beaucoup, Eugène. Je voudrais préciser quand même, pour votre information, cette convention, elle est classique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle prévoit, elle définit ce qui est traité, elle définit les moyens et elle définit la maintenance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération ? Oui. Oui, nous avions une remarque en fait sur le fait que quand on choisit un process d'amélioration pour les citoyens avec des moyens électroniques,
tout ça est censé, à la sortie, nous permettre de faire des économies. Et pour le coup, on ne parle pas d'économie puisqu'on parle d'un coût. Et voilà. Donc les économies, c'est limitation des moyens de reprographie. J'imagine que ça représente un billet. Et puis aussi le temps d'activité des agents. Si je puis me permettre, il y a erreur sur la cible. En effet, vous avez raison sur le principe. Mais on ne parle pas d'un guichet numérique communal, mais bien intercommunal. Donc s'il y a des réductions de coûts et des conséquences, c'est pour l'intercommunalité et non pas pour la commune. Éviter de signer environ 2 mètres d'épaisseur de bouquins tous les mois. Et surtout pour l'interco. S'il n'y a pas de remarques, je propose de le mettre aux voix. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Et je te laisse, Eugène, renchérir sur le dépôt d'une demande de déclaration préalable pour la modification de la façade de l'école maternelle La Garenne. Vous avez tous les plans sous les yeux, là ? On va projeter. Parce que là, c'est sur le plan, c'est pas toujours évident. Donc, l'école de La Garenne, moi, je l'ai située avec une localisation du terrain passant. C'est surtout le plan d'aménagement qui est intéressant. Donc, vous avez, sur le plan qui vous a été remis, vous l'avez bien eu. Hein, c'est bon. Sur la partie du haut, vous avez la situation actuelle. Et sur la partie zone des travaux, vous avez les travaux qui sont réalisés et qui ont permis de pouvoir augmenter la capacité de La Garenne en classe, en création d'une classe complémentaire, pour un montant qui coûte quand même beaucoup moins cher que si on avait loué un bâtiment préfabriqué. Voilà. Ça a demandé beaucoup de travail, mais on a fini par y arriver, en accord avec à la fois les instituts, enfin les professeurs et l'ensemble des parents d'élèves. Mais ça pose un problème parce que ce petit changement nous oblige à fermer une porte et à en ouvrir une autre. Donc, à cause de cela, nous sommes obligés de délibérer. Et de délibérer de la façon suivante. On n'est pas obligé de lire les délibérations. Je ne lis pas. Je dirais que simplement, c'est autoriser monsieur le maire à signer, je dirais, le document de déclaration préalable pour la modification de la façade de l'école de La Garenne. Car, bon, ben, c'est vrai que. C'est la règle du jeu dans l'urbanisme. Eh bien, s'il y a des questions ou des remarques, je propose de le mettre aux voix. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante relative aux travaux et au lancement d'une procédure pour un marché de travaux de rénovation de la salle de spectacle de l'espace Maurice Béjart de la ville de Verneuil. Je laisse la parole à Paul Malret. Bien, donc l'espace Maurice Béjart contient deux salles principales, une salle d'exposition au sous-sol et une salle de spectacle accessible depuis le rez-de-chaussée. Le projet se concentre sur la salle de spectacle. Il consiste en sa réhabilitation et modernisation. Il s'agit de mettre en accessibilité au PMR, personne à mobilité réduite, la salle, le remplacement des sièges, des éclairages, des revêtements de sol, murs et plafonds et l'optimisation de l'espace. Il faut passer un marché public pour ça. Et donc le marché se décompose en 4 lots. Premier, curage et gros œuvres. En deuxième position, menuiserie intérieure et mobilier. En troisième, éclairage et électricité. En quatrième, revêtement sol, mur et plafond. Et le montant prévisionnel du marché est de 252 160 euros. Il s'agit d'un montant global et forfaitaire. Le délai global d'exécution des travaux est de 4 mois. La date prévisionnelle de début de prestation est le 1er juin 2021. La date d'achèvement des prestations est le 30 septembre 2021. La procédure de passation est une procédure de passation du marché et est une procédure adaptée, ouverte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des demandes de prise de parole ? Oui, il y en a deux. Une seule question. En réaction à cette délibération, bien sûr, on est favorable à ce que l'espace Maurice Béjart soit rénové, puisqu'en plus, nous l'avions envisagé nous-mêmes, 2020. Ma question, c'est en revanche, on n'a pas évoqué cette délibération en commission, bon, ça a peut-être été oublié, mais vous devez avoir déterminé vos attendus sur l'ambiance que vous souhaitez donner à cette salle.
Est-ce que vous avez aujourd'hui des vues de ce que vous projetez de faire ou pas? Et est-ce que vous pouvez nous les communiquer? Alors, à titre d'information, hein, pour bien sûr. Alors, ce que vous voulez faire. Aucun problème pour vous les communiquer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore réalisé. On doit avoir les réunions dans les prochains jours, puisqu'on a une première réunion, on attend les visuels. On n'a pas de visuel définitif pour l'instant. C'est un simple titre d'information, ouais. Si vous pouvez nous les communiquer quand pas ce sera soucis. Définitif. Pas de souci. Christian, il y avait une question complémentaire? Oui, je prendrai la parole après la délibération, si vous voulez. Comme vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que il y a des oppositions? Des abstentions? J'en déduis que c'était adopté, et je te cède la parole, Christian. Merci. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal, les projets d'aménagement qui nous sont présentés ici ce soir sont pour nous l'occasion de nous relancer sur les chantiers de mise en accessibilité des installations communales. Ces projets s'inscrivent dans le plan de mise en accessibilité des voiries, des aménagements des espaces publics, qu'on appelle vulgairement le PAV, c'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça, et c'est prévu par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. La rentrée des classes arrive à grands pas et c'est maintenant que nous devons aborder en commission communale les conditions d'accessibilité de nos écoles pour préparer et accueillir nos enfants, quelles que soient leurs difficultés et leurs handicaps. Monsieur le maire, vous devez pour cela dynamiser la commission communale d'accessibilité. Notre objectif n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Ce qui a été entrepris par le passé doit être continué par votre impulsion et celle de tous les élus que nous sommes. Nous devons relancer ce grand projet de qualité d'usage pour tous. Comme vous l'avez dit vous-même lors d'une interview télé le 27 avril, 9 Français sur 10 rencontrent des difficultés dans leurs déplacements. Monsieur le maire, saisissons ensemble l'occasion qui est devant nous pour regarder tous les projets d'aménagement de mise en conformité des équipements communaux. Saisissons cette occasion pour faire vivre énergiquement la commission communale d'accessibilité en concertation avec toutes les énergies disponibles. Faisons de Verneuil une ville dynamique en matière d'accessibilité et de qualité d'usage pour tous. Faisons vivre et animons ensemble la commission communale. Je vous remercie. Merci beaucoup et j'en profite pour dire que l'arrêté a été pris pour pouvoir la rassembler et que dans les prochains jours, nous fixerons la première date afin que la commission d'accessibilité, qui regroupera à la fois des élus mais aussi des citoyens, plusieurs professionnels, restaurateurs, etc., ont souhaité en faire partie. C'est une très bonne chose et du coup, ce sera un chantier qu'il faudra porter sous la présidence d'Abder et dont plusieurs d'entre vous seront donc partie prenante. Je vous remercie. Que je vous propose, c'est de passer à la lecture... Pardon. Je t'en prie, Olivier. Juste un complément d'information pour Christian, puisque juste avant, on a voté la délibération sur les travaux à Maurice Béjart. La mise aux normes en termes d'accessibilité n'est pas seulement pour les PMR, elle est aussi au niveau du cinéma pour l'accessibilité aux personnes malentendantes, non-entendantes, non-voyantes et malvoyantes. Merci. J'entends bien, on parle de handicap, de situation de handicap, hein, en fait. Voilà. Il n'y a pas de distinguo, effectivement. Merci beaucoup. Je propose de balayer les comptes rendus des décisions. Nous en avons une petite dizaine, avec d'abord le contrat de cession du spectacle Les Tontons Farceurs pour un montant de 11 605 euros, une convention pour la location-maintenance d'un copieur multifonction, une convention pour la location-maintenance d'un autre copieur multifonction libre-service, ainsi que la maintenance et nettoyage des fontaines de la ville pour un montant annuel de 15 264 euros. Nous avons également une convention de formation professionnelle continue au bénéfice de M. Grogelet, adjoint technique avec l'organisme Vivalian pour un montant de 744 euros, une convention de résidence pour la création du spectacle Et si on se disait tout, la fermeture de la régie de recettes auprès du service des sports puisqu'elle est regroupée avec la régie centrale, l'avenant portant extension de la régie de recettes régie accueil éducation aux participations financières des divers services ou actions proposées par le service des sports de la ville de Verneuil, le contrat de cession du spectacle Regarde bien petit pour un montant total de 12 500 euros, imputé sur le budget de l'espace Maurice Béjart, et enfin une convention pour l'exposition Face à Face du 20 au 30 mai 2021 avec notre artiste en résidence, M. Pacari. C'en est tout pour le compte-rendu des décisions. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Sinon, nous allons pouvoir clôturer le conseil. Deux questions, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je vous en prie. La première. Depuis plusieurs semaines, vous avez mis en place une rotation sur les ouvertures des cantines scolaires. Pose un peu débat. Quand retrouverons-nous une situation normale pour les enfants et surtout pour les familles? Vous avez une idée?
Mais j'aimerais bien savoir aussi quand est-ce que le Covid va s'arrêter, mais je n'ai pas non plus d'idée. Je rebondis sur ce que dit Monsieur Moreau. Comment on peut anticiper les arrêts maladie des professionnels un mois à l'avance, puisque c'était normalement une situation qui devait s'arrêter au retour des confinements qui étaient aussi censés résoudre pour partie le personnel malade, et pour autant ça a été prolongé jusqu'à fin mai. C'est une situation compliquée pour les parents qui rencontrent des difficultés à s'absenter même sur un temps de télétravail pour une durée de 2 heures, d'autant que les horaires sont aussi décalés. Donc c'est plus que 2 heures pour certains. Il faut aussi attendre 20 minutes devant la porte pour qu'un deuxième enfant sorte, puisque vous savez qu'il y a ce décalage des horaires et que c'est compliqué. Et on se pose la question de comment on anticipe des arrêts maladie aussi longtemps à l'avance, et comment, en un mois, le nécessaire n'a pas pu être fait pour avoir du renfort et réorganiser pour que les cantines puissent rouvrir normalement. Parce que la solidarité des parents, c'est bien, Madame Huard, je voudrais juste ils vous ont répondre une résilience, très concrètement. Les parents, on est tous d'accord sur la résilience des parents, mais je voudrais juste vous répondre concrètement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour qu'on remette les gens dans une situation professionnelle normale? Alors, justement, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'absence de 1 ou 2 animateurs, mais à chaque fois d'absence de dizaines. On n'est pas sur l'absence de quelques-uns. Et le problème, c'est... Pour avoir été hier faire le tour des cantines maternelles et primaires sur Jean Jaurès, comme je le fais de toute manière habituellement, on voit bien que, un, les parents jouent le jeu. Et je tiens à les remercier, ils jouent le jeu, puisque nous avons de plus en plus d'enfants qui peuvent être retirés des cantines. C'était une des conditions sine qua non pour pouvoir les garder tout simplement ouvertes. Deuxièmement, nous avons une problématique qui est forte avec, malheureusement, des difficultés pour recruter. Nous avons très peu de personnes qui postulent. C'est très dommage, et malheureusement, j'ai bien conscience que ce sont des emplois qui sont souvent précaires, ces emplois sur les temps du midi, qui sont peut-être considérés comme peu attractifs. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui, entre guillemets, râlaient, puis quand on leur expliquait la situation, proposaient d'eux-mêmes de venir le temps du midi, et quand ils constataient à la fois la manière dont les choses se passent, puisque c'est un métier qui est difficile, et puis au-delà, les questions de salaire, puisque ce ne sont pas des emplois malheureusement très attractifs, eh bien, immédiatement ou très peu de temps après, ils arrêtaient. Donc pour vous dire, j'avais eu l'occasion de communiquer qu'on avait plus de 30% au pic de personnes qui manquaient à leur poste sur ces emplois, ce qui nous avait entraîné sur ces fermetures. Malheureusement, au maximum, nous n'avons jamais été capables de recruter plus d'une dizaine de personnes supplémentaires. Donc nous avons un décalage. Tant que ce décalage existe, malheureusement, nous n'avons pas de solution. Le pire des choses qui puissent arriver, je l'ai toujours dit, c'est qu'il y a toujours un risque de fermeture totale. C'est pour cela, et je pense pour le coup qu'on peut tous remercier les agents qui ont fait ce travail, qu'il y a eu un gros travail ces dernières semaines pour que les personnes qui tiendront les bureaux de vote, donc nous, mais aussi les ATSEM, le personnel de cantine, etc., puissent dès maintenant se faire vacciner, car c'est la seule solution, on ne va pas se cacher. Malheureusement, ce sont dans nos cantines que nous avons eu les plus gros foyers. Ce sont dans nos cantines que nous avons eu le plus de personnes contaminées, qui ont par ailleurs, pour certaines personnes, engendré des décès ou des maladies graves. C'est pour ça que je ne prendrai aucun risque, et je sais bien que c'est pénible, mais je sais surtout que le service éducation est absolument à l'écoute, et que chacune des situations personnelles qui est difficile est gérée individuellement et de manière positive, parce qu'à chaque fois que nous avons eu des retours, des remarques, nous avons toujours trouvé des solutions personnalisées. Par conséquent, je sais bien que c'est pas facile, je sais bien que c'est de la solidarité qui est demandée, et je sais bien que ça va encore durer au moins jusqu'à la fin de l'année, ne nous cachons pas. Mais ce que j'espère avant tout, c'est qu'on puisse, en septembre prochain, rouvrir pour de bon la totalité, pas seulement parce que nous aurons tous nos animateurs, mais parce que nous aurons la totalité de notre personnel vacciné, et parce que nous aurons la totalité de nos structures qui seront réadaptées, puisqu'il y aura des travaux évidemment pour certaines d'entre elles durant les vacances d'été. Par conséquent, j'ai bien conscience du problème, nous sommes tous les jours sur le pied de guerre, puisque je peux vous dire que c'est une situation du quotidien, mais malheureusement, je ne vais pas vous faire de fausses promesses. Comme dans la majorité des communes, notre priorité, c'est d'éviter de fermer des classes, mais surtout d'éviter de fermer des écoles du fait de clusters dans les cantines.
Donc vous annoncez officiellement aux parents qui vont devoir se débrouiller selon le jour décidé jusqu'à la fin de l'année, autant le dire maintenant, pour s'organiser, parce qu'il y a quand même espoir d'une reprise de travail normale. Pour certains, la situation va devenir encore un peu plus complexe. Et avec, on aurait pu aussi réfléchir à nous-mêmes, pouvoir assurer des services, faire du bénévolat pour pouvoir aussi permettre aux parents... Malheureusement, je vais laisser Mme Garrigue vous répondre. Mais malheureusement, si c'était légal, nous l'aurions fait depuis longtemps. Oui, bonsoir. Convention de bénévolat, si je peux ça me existe. Permettre, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire appel à des bénévoles pour prendre en charge des enfants. Il faut savoir qu'actuellement, en fermant 2 cantines par jour, on arrive au minimum de personnel requis pour encadrer des enfants. Monsieur le maire ne vous a jamais dit que la situation allait durer jusqu'à la fin de l'année. Il ne veut pas vous laisser espérer. Mais il vient de le dire là, que ça allait durer jusqu'en septembre. Non, pas du tout. Il n'a pas dit ça comme ça. Ah. Il vous a juste dit que ce n'était pas la peine de vous laisser espérer en vous donnant une date de reprise à la normale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Est-ce que alors, vous pouvez m'expliquer ? Vous pouvez laisser répondre, Madame Garrigue, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser parler aussi, Monsieur Debré ? Non, je vais parler, s'il vous plaît. C'est Madame Garrigue, s'il vous plaît. Je fais un échange s'il vous plaît, avec Madame Garrigue. Madame Huard, vous n'êtes pas dans un échange avec Madame Garrigue. Vous laissez parler, Madame Garrigue, s'il vous plaît. Je lui demande sinon, on va suspendre les séances à chaque fois que vous jouez à ce jeu-là. Sauf que Madame Huard, je suis désolée, mais en interagissant de cette façon, vous me coupez complètement dans ma pensée. Et je ne sais plus du tout de quoi je vous parlais. Donc j'étais en train de vous expliquer pourquoi actuellement nous étions obligés de fermer 2 écoles, 2 restaurants scolaires par jour pour pouvoir garantir un minimum d'encadrants sur les autres restaurants scolaires. Concernant les arrêts maladie, évidemment, on ne peut pas les prévoir. Vous travaillez dans le domaine de la santé, vous savez bien qu'on ne peut pas prévoir qui va être malade et quand. Comme l'a dit Monsieur le maire, il y a des personnes qui sont tombées malades très gravement. Certaines ne sont toujours pas revenues. Il y a même eu des décès. Il faut savoir également que pour le recrutement, nous faisons appel à des vacataires. Ce sont des contrats de travail très précaires. Par conséquent, nous avons énormément de mal à trouver des personnes qui souhaitent travailler 2 heures par jour. C'est la vérité. Il y a eu très peu de personnes qui ont été reçues. Oui, vas-y, Paul. Et à les garder. Et à les garder, effectivement. Parce que c'est vraiment le tonneau des Danaïdes. Monsieur le maire n'a jamais dit que la situation allait perdurer. Il avait été annoncé dès le début, dès après les vacances, qu'un point serait fait à la fin du mois. La semaine prochaine, un point va être fait sur les effectifs réels. Et là, nous saurons quelle décision prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas à 100%. Nous ne sommes pas sûrs à 100% que tous les restaurants scolaires pourront rouvrir tous les jours. C'est notre vœu le plus cher. Nous avons bien compris la demande des parents. Madame Godard et moi sommes nous-mêmes des mamans. Je suis une maman avec des enfants également, qui déjeunent habituellement à la cantine. Je rencontre des parents, les parents d'élèves, mais pas que. Pas que les fédérations des parents d'élèves. On va sur le terrain, comme l'a dit Monsieur le maire. On rencontre des parents, on a des familles en extrême difficulté. Donc, je peux vous assurer qu'on comprend tout ça. On est vraiment à l'écoute. J'étais encore hier soir au téléphone avec une maman. Madame Godard appelle des parents. On les appelle, on leur explique la situation. Il faut savoir qu'on entend beaucoup une minorité qui est très bruyante, mais on n'entend pas la majorité qui est silencieuse et qui, finalement, nous remercie. Parce qu'il faut savoir, et je suis contente de le dire à voix haute, qu'on a également beaucoup de parents qui nous remercient. Je ne vous dis pas ça pour être fun et pour faire monter notre cote de popularité. Ce n'est pas mon genre, c'est vraiment la vérité. On a énormément de parents qui nous remercient d'avoir pris ces mesures, d'avoir fermé des restaurants scolaires pour pouvoir permettre aux autres restaurants d'ouvrir dans des conditions sanitaires optimales et respecter le bien-être et la sécurité de tous, des enfants, mais pas que, également des agents de restauration. Comme Monsieur le maire vous l'a dit, les agents de restauration étaient touchés. C'est pas difficile de faire le lien. Dans une cantine, il y a des enfants sans masque. Les agents de restauration ont leur masque, mais servent des enfants sans masque. Le lien, il est vite fait. Donc évidemment que c'est un personnel qui a été à risque. Énormément que c'est un personnel qui a été touché
forcément, c'est un personnel qui a été peut-être plus malade que dans d'autres secteurs. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal, on n'en est pas sûr, à trouver du monde. C'est que les gens, clairement, ont peur d'aller travailler dans une cantine avec plein d'enfants non masqués. Même si les distances de sécurité sont respectées entre les enfants, le personnel qui sert l'enfant, je veux dire, il lui tend son assiette quand même. Hein. Donc il est vraiment très très proche. Le point donc sera fait la semaine prochaine. On sera plus en mesure de vous dire si toutes les cantines rouvrent, si les cantines rouvrent partiellement ou pas, si on arrive à trouver d'autres alternatives. On est en train de songer à d'autres alternatives, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre ville, on peut être fier de respecter les protocoles sanitaires et le bien-être des enfants. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on retienne ça. Bon, j'étais un peu longue, mais c'est vraiment, je pense, le point à retenir. On fait attention à la sécurité de nos enfants et des agents. Madame Godin, excusez-moi, je m'inclus dans le débat. Parce que j'ai écouté ce que vous expliquez, Madame Godin. Mes questions. Madame Garec. Madame Garec, excusez-moi. Excusez-moi, c'est la fin du conseil. Je me trompe dans les noms. Est-ce que vous avez échangé avec les communes voisines? Parce que je n'ai peut-être pas bien regardé les choses, mais je n'ai pas mémoire que ces dispositifs aient été mis en place dans les communes alentours. Alors, Monsieur Fréjabu, oui, j'ai échangé personnellement avec les communes voisines, avec certaines communes voisines. Le service éducation a aussi échangé avec des communes voisines. Alors, on nous dit toujours, mais oui, mais voilà comment ça se passe ailleurs. Alors, on ne peut pas comparer avec d'autres communes voisines parce que la taille des restaurants scolaires n'est pas la même déjà. Ce qui veut dire que dans une salle de, je vais vous dire n'importe quoi, 70 mètres carrés, et dans une salle de 140 mètres carrés, on ne va pas pouvoir faire déjeuner en même temps le même nombre d'enfants. Et à Verneuil, il faut savoir que nous avons un grand groupe scolaire qui est la Garenne La Source, qui comprend un seul restaurant pour deux écoles. Je ne peux pas vous dire combien le restaurant mesure, mais il est bien, bien trop petit pour pouvoir accueillir les enfants des deux écoles en respectant les limitations imposées. Je crois que le restaurant accueille 500 enfants. En temps normal, oui, à peu près, mais bon, en ce moment, un petit peu moins, mais encore beaucoup trop. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très difficile de comparer de ville à ville, parce que les espaces ne sont pas les mêmes. Il y a certaines villes également qui n'ont pas de self. Nous, les élémentaires, dans les élémentaires, nous avons des self. Dans certaines villes, il y a du service à table. Dans certaines villes, il y a un taux de fréquentation de la restauration scolaire qui est bien moindre. Dans certaines villes, il y a peut-être plus de parents qui ne travaillent pas. Donc, pour moi, c'est pas judicieux de comparer de ce qui se passe chez les voisins. Par contre, ce qui est judicieux de faire, c'est de voir quelles alternatives ils ont mises en place. Et effectivement, dans certaines villes, ils ont fait des choix très audacieux qu'on ne ferait pas forcément chez nous, qu'on ne trouverait pas forcément opportun de faire. Donc après, par rapport aux choix qui sont faits, effectivement, nous, on assume d'avoir fait ces rotations de fermeture pour pouvoir assurer le bien-être des enfants, parce que pour nous, c'était l'alternative la plus judicieuse et la plus intelligente. Merci beaucoup, Sophie. Évidemment, on va soutenir que la sécurité des enfants est prioritaire. Toutefois, on avait eu l'occasion de faire des propositions en commission. On peut tout à fait en rediscuter avec vous parce qu'il y avait quelques solutions qui pouvaient être trouvées et on est à votre disposition pour en parler. Merci, Madame Huard. De toute manière, nous sommes toujours à l'écoute, mais pour le coup, le sujet est suffisamment compliqué pour ne pas avoir à se cristalliser. Je ne sais pas s'il y avait d'autres demandes de prise de parole, Monsieur oui, Moreau. Donc on ne fait pas de proposition. J'avais une deuxième question. Monsieur le maire, depuis maintenant plusieurs mois, nos commerçants, dont nos restaurateurs en premier lieu, ont vu leur activité partiellement ou totalement arrêtée. Dès demain, les terrasses qui rendent notre centre-ville vivant pourront ouvrir avec les aléas météorologiques que nous connaissons pour ce beau mois de mai. L'année dernière, votre prédécesseur avait revu et étendu les droits de terrasse à l'euro symbolique pour les accompagner. Plusieurs collectivités font de même pour permettre une reprise d'activité. La ville de Saint-Germain-en-Laye l'a voté jusqu'au 3 octobre.
Palaiseau, Mantes-la-Jolie, par exemple, ont aussi passé des délibérations dans ce sens. Nous avons déjà exprimé notre regret qu'il n'y ait pas eu de commission attractivité économique. Nous aurions en effet pu échanger en amont de ce conseil sur ce sujet qui nous tient à cœur, afin de protéger au mieux nos commerces, acteurs indispensables à l'attractivité économique de notre ville et au quotidien de nos concitoyens. Monsieur le maire, pensez-vous prendre un arrêté pour accompagner nos commerçants dans cette reprise d'activité en facturant à l'euro symbolique les droits de terrasse pour les prochains mois à venir ? Alors, monsieur Moreau, pour vous répondre, nous allons faire encore mieux. Parce que, d'une certaine manière, pour avoir discuté avec la plupart des commerçants, bien entendu que c'est positif si on demande un euro symbolique pour des terrasses, mais ça reste, pour le coup, très symbolique et vous auriez pu m'accuser à juste titre de faire de la com. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la com, c'est que nos commerçants fassent du chiffre et que nos commerçants puissent aller bien, aller mieux, pas seulement ponctuellement, mais sur la durée. Dès demain, et même si je suis bien d'accord avec vous, malheureusement, le temps risque de ne pas être de la partie, nous allons commencer à piétonniser le cœur du ville. Vous l'aviez fait l'année dernière, lors de la fête de la musique. Cela sera fait dès demain pour un test. Et puis si cela fonctionne, bon, je ne suis pas sûr que le test soit très concluant demain, on aura l'occasion de le refaire plusieurs fois s'il le faut, eh bien nous l'étendrons tout l'été. Si cela fonctionne, nous aurons l'occasion d'en rediscuter après l'été pour voir les aménagements que nous pourrons prendre. Mais d'une certaine manière, piétoniser n'est pas une fin en soi. Parce que piétoniser, rendre piéton, autrement dit empêcher les voitures de passer, évidemment cela facilite l'extension des terrasses, mais rien ne dit que cela favorise vraiment le chiffre pour nos commerçants. Et par conséquent, plutôt que de simplement piétoniser, nous allons procéder à quelque chose que nous appelons animer la ville. Nous allons animer la ville à chaque fois qu'elle sera piétonnisée. Cela va être un très gros investissement. Mais cela va être surtout une très bonne manière de permettre à chacun d'entre nous, et je pense qu'ici nous sommes tous très désireux, enfin de le pouvoir, de nous retrouver, de pouvoir faire la fête, et non seulement de faire la fête en allant aux terrasses, en allant chez nos commerçants, mais aussi, et c'est très important pour nous, nous l'avions dit, pas seulement dans l'hyper-centre-ville, mais aussi progressivement, au cœur de l'été, lorsque nos commerçants, pour le coup, sont fermés, puisqu'ils nous ont déjà dit que pour certains, ils seront fermés pendant 3 semaines, eh bien, de pouvoir aller animer d'autres quartiers. L'objectif, c'est pas seulement d'accompagner nos commerces, c'est de réanimer notre ville qui, depuis maintenant, malheureusement, plus d'un an, est figée durant cette épidémie de Covid. Alors bien sûr, cela va nécessiter beaucoup d'aménagements. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le flou, on ne va pas se le cacher. C'est très compliqué de pouvoir préparer des événements dans un contexte très compliqué. Cela dit, nous aurons l'occasion de revenir vers vous, peut-être même durant les prochaines commissions, avec à la fois les montants, les détails et le programme des animations. Celles-ci permettront en tout cas à chacun d'entre nous de pouvoir se retrouver, de s'amuser et enfin de retrouver notre belle et chère liberté. Merci pour votre réponse. Donc j'en conclus que vous allez faire mieux que ma proposition. Donc en plus d'accorder un droit de terrasse étendu et gratuit aux restaurateurs, vous allez animer comme on l'avait fait pour la fête de la musique l'année dernière de manière régulière. Eh bien, pour ce qui est des terrasses, c'est un autre sujet. Moi je vous ai dit, c'est pas comme ça qu'on fait de la polémique. C'est de la com'. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, des questions ? Oui, une petite question. Est-ce qu'on a de la visibilité sur le forum des associations en septembre ? Est-ce qu'il y a une date d'arrêté ? Enfin, j'imagine que les conditions ne sont pas évidentes. La réponse est non. Est-ce qu'il y a un plan A, un plan B ? Enfin, là, voilà. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, la réponse est non. Cela va être figé dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs imprévus à gérer. Pas seulement la situation Covid, mais aussi la situation de Ponce, sur laquelle nous n'avons toujours pas de visibilité. Et par conséquent, nous nous laissons encore quelques semaines pour décider des différentes options que nous sélectionnons. Et à qui on fait les propositions ? Est-ce qu'on a des idées ? Si vous avez des idées, vous savez toujours où nous trouver. En commission, quelle attractivité ? Des idées sur quoi ? Sur le forum des associations et la braderie de Verneuil qui a lieu normalement en juin. Alors pour ce qui est de la fête de Verneuil, qui s'était en effet un petit peu trop transformée en braderie de Verneuil, eh bien, pour le coup, elle n'aura pas lieu cette année. Pour ce qui est de la fête de l'air qui a lieu chaque année, pour le coup, en septembre, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle n'aura pas lieu non plus. Mais par contre, nous avons d'autres animations qui vont venir égrener les prochaines semaines, les prochains mois, et qui permettront à chacun de se retrouver. Si vous avez des questions, vous avez la commission association qui permettra de pouvoir débattre et d'échanger les idées. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Le conseil est terminé.